Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le croiseur lourd Maya. Donc cette vidéo va se diviser en deux parties. Donc la première partie, vous allez voir une brève partie du montage que j'ai réalisé hors caméra, enfin. Et l'autre partie, vous allez voir pendant que je construis certaines pièces en plastique avec de la photo découpe également. Donc voilà. Donc bon visionnage les amis. Voilà. Donc on se retrouve pour quand je vous montre les différentes pièces qui ont été réalisées. Voici une des pièces du pont, complètement terminée avec sa pièce en plastique. Les grues, vous les avez déjà vues, ça également. Donc l'une des deux cheminées. Donc celle-là, c'est la principale, avec toutes ses pièces en photo découpe. Donc il y a une donc cette cheminée là en fait j'ai perdu le cache ici en photo découpe donc je l'ai réalisé avec des fils de laiton en scratch. Ouais, donc ça donne bien. Hein. Ça vous les avez déjà vus également. Donc là, nous avons l'autre cheminée avec également toutes ces pièces en photo découpe. Vraiment très content de mon travail. Donc là, c'est la pièce que vous allez voir en construction après. Avec toutes les pièces de rambarde. Également une autre pièce ici. Et ici vous avez les canons 25 mm avec leur pare-balles en photo découpe. Donc il y en a 13. Voilà. Voilà donc tout ce qui a été réalisé sur le Maya hors caméra. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des très très petites pièces. Et franchement, si je vous aurais montré ça en vidéo, vous n'auriez rien vraiment vu tellement que les pièces sont très petites. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de le faire ça hors caméra. Je trouvais que ça c'était pas vraiment utile, mais par contre c'était plus utile de vous montrer le travail réalisé. Voilà. Ben écoutez, là maintenant vous allez voir donc une partie de la construction qui a été faite. Donc bon visionnage. Et après je vous dirai au revoir en texte sur la vidéo. Donc je vous dis déjà au revoir. Tchuss les amis.
Thank you.